Thé à la menthe ou thé citron? Mais au citron, Victor, vous savez bien que je le menthe en horreur. Et pour vous? Thé à la menthe ou thé citron, c'est du théâtre dans le théâtre. Vous allez assister à une répétition et ensuite à la représentation qui sera bien sûr catastrophique. Et pour vous? Comment? Une verveine. Dans cette pièce, le spectateur, à la deuxième partie, va jouer son propre rôle. C'est-à-dire qu'il va jouer le rôle du spectateur. Dans la première partie, il est complice, parce qu'il assiste à la répétition, ce qu'on ne voit jamais. Faites-le à la Robert Mitchum dans Danger pour un tueur, tu vois. Oui. Et dans la deuxième partie, d'un seul coup, il devient spectateur de la pièce, de ce qu'il connaît déjà. Je vais le refaire, Richard. Oh, ça va, merci. Enfin bon, bref, c'est vraiment une pièce familiale, on peut venir vraiment à plusieurs, on se régale. Mon cœur brûle. À nous deux, Madame de Vignac. Ah, alors là, on comprend tout de suite qu'il est fou. Non, là, il fait ça, lui. Henri, je vous en supplie. Eh oui, on va pas tarder. D'ailleurs, on y va, d'ailleurs.